Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage professionnel pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, et c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok les vierges, allez. Donc au centre, on a déjà la carte du travail qui est placée pour bien orienter en tout cas le jeu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc on a le bouquet. Donc ça va nous parler de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles hein, aussi, sur le plan professionnel. On a une coupure, on a quelque chose qui s'arrête sur le plan professionnel. Alors peut-être que vous êtes content, contente de terminer en tout cas un contrat ou de terminer avec une entreprise. Parce que peut-être que vous avez décidé de changer de boulot, que vous avez peut-être terminé aussi votre contrat parce qu'il se terminait, ou tout simplement vous partez à la retraite aussi. Oui, ça peut être la retraite, parce que notamment ma maman est du, je viens juste d'y penser, mais ma maman est du signe de la Vierge et sera à la retraite sur la fin septembre. Donc du coup, ouais. Je viens d'y penser. Bon bah du coup ça va être assez positif quand même. Alors bon, si c'est pas la retraite, quoi qu'il en soit, vous arrêtez peut-être avec un travail, ou peut-être aussi que certains vous arrêtez aussi peut-être avec un chômage. Ça peut être aussi ça. Ok, le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, de proposition aussi, de choses à saisir. On vous dit voilà qu'il y a quelque chose qui arrive en tout cas sur ce mois de septembre, qui va vous permettre en tout cas de couper des choses avec le passé, de couper avec les choses qui ne vous conviennent plus. On vous dit que c'est vraiment une chance, hein. Pour certains, même le fait que vous allez certainement pas être renouvelé dans votre travail, ça va être aussi une chance, hein. Parce que peut-être que vous en avez marre de là où vous travaillez, hein. Ok, ici, donc j'ai la consultante. Bon, ou une femme pour un homme. Alors je suis désolé, des fois je bafouille un peu quand je parle parce que là c'est le matin et le matin j'ai pas la voix qui j'ai pas la voix et le cerveau qui est mis forcément dans le bon ordre et du coup des fois je sais pas je vais dire le mot trop vite et du coup je me comment dire c'est comme si qu'il y avait un embouteillage en fait de voiture. Voilà, bon, vous imaginez un petit peu le truc. Ok, le public, le jardin du moins. Ah, ok. Donc vous allez avoir en tout cas des nouvelles par l'entourage, professionnellement parlant. Donc ça peut être, si vous êtes à la recherche d'un emploi, quoi qu'il en soit, c'est par l'entourage que vous allez trouver un emploi. Quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir puisque c'est... Ça sera un boulot qui sera vraiment orienté dans la voie que vous avez envie de vous diriger. C'est comme si vous allez suivre votre étoile, hein, de toute façon, hein. C'est vous réaliser des choses que vous avez envie de réaliser et des choses qui vous font plaisir en plus. Vous pouvez travailler de toute façon avec un public, hein. Ici, on nous parle vraiment de travailler avec un public. Pas dire de conneries, mais le public, l'étoile, vous pouvez me parler de divination aussi, hein. Ouais, j'ai bien des personnes en tout cas qui ont coupé avec un contrat, qui ont fait le choix en tout cas de couper des choses du passé pour s'orienter sur autre chose, hein, sur quelque chose de nouveau. Et votre choix, j'ai l'impression qu'il est un peu difficile à prendre dans le sens où peut-être qu'on vous dit beaucoup de choses autour de vous, hein, de ce que je peux voir ici. Peut-être que voilà le monde qui vous entoure, votre milieu social. Peut-être que voilà, vous met un petit peu dans l'indécision de savoir si oui, non, oui, non. Du coup, vous avez peut-être entre guillemets le cul entre deux chaises hein, sur le mois de septembre. Quoi qu'il en soit, vous saisissez ici une opportunité, hein, vraiment. Vous saisissez un contrat, vous saisissez quelque chose. Hein. Voire même, alors là, on pourrait me parler de formation aussi hein, avec la carte du livre. On peut me parler de formation, on peut me parler de choses aussi dont vous n'êtes toujours pas au courant. Puisqu'on est sur le livre et ça parle des secrets, c'est d'ouvrir aussi une nouvelle histoire, de faire un nouveau chapitre aussi, hein. C'est un nouveau chapitre.
Pour les personnes de la Vierge, par exemple, qui vont rentrer en retraite, ici, on vous dit qu'au niveau de vos papiers, du coup, ça sera relativement bon, du coup. Ouais, j'ai des déménagements aussi. Là, j'ai un déménagement pour une femme. Il y a des changements, il peut y avoir une grossesse aussi, une naissance. Quoi qu'il en soit, il y a des changements professionnels. Vous réalisez, en tout cas par ces changements-là et ce choix que vous faites de changer, vous réalisez des choses que vous avez envie de réaliser. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de divination et je voulais juste attendre que cette carte soit retournée parce que je me suis dit, si c'est pas la lune, ça sera pas la divination, ça sera pas forcément la divination. Alors là, franchement, avec la lune, le jardin, l'étoile, la lune, ici, on va me parler de plutôt de divination, d'un travail en lien avec la divination. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie en tout cas. C'est quelque chose qui vous met en joie. C'est une nouvelle activité pour certains. Vous rentrez dedans, vous faites une nouvelle activité, vous saisissez cette opportunité. Ce qui va vous apporter des changements, qui va apporter des déménagements, des réalisations aussi. Mais vous êtes encore dans le souci du choix, parce que là, on est vraiment sur vraiment la fin septembre. Et donc, vos choix vont certainement être pris sur la fin septembre. Sur la mi-septembre, vous allez plutôt faire le choix, en tout cas, de couper avec certaines choses. Alors, quelles sont vos peurs? Vos peurs, c'est l'argent. Voilà, vos peurs sont l'argent. Votre peur est de couper avec un système financier. Donc, que ce soit par le travail, que ce soit par le financement, moi, je sais pas, de Pôle emploi ou ce genre de choses, le fait de vous lancer dans une activité, peut-être que vous avez peur de toucher moins que ce que vous touchez au chômage ou quand vous étiez salarié. Voilà, il y a tout ça en tout cas qui rentre en compte. Vos finances vont changer quoi qu'il en soit sur le mois de septembre, positif ou négatif, je ne sais pas, mais c'est pour un bien-être. Alors ça ne veut pas dire concrètement qu'un bien-être c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'accord? Un bien-être c'est voir en tout cas ce qui vous fait du bien quand vous travaillez. C'est pas forcément le salaire. Une personne peut toucher 15 000 euros et être très malheureux à deux doigts du suicide, alors qu'une personne qui touchera 500 euros sera très épanouie dans sa vie, se contentera du peu, mais sera très heureux dans sa vie. Ce n'est pas l'argent, en tout cas, qui fait le bonheur, comme on dit. Et puis, de toute façon, l'argent n'est que ce qu'elle... La réaction que vous avez pour l'argent, peu importe le signe astrologique. Ça, c'est propre à l'humain. Peu importe la réaction que vous avez face à l'argent, elle reflète de quoi qu'il en soit votre personnalité. Vous avez peur de l'argent, vous avez peur de manquer d'argent, c'est parce que vous avez un côté, parce que vous avez un côté de votre personnalité qui aime beaucoup l'argent et qui est très matérialiste. Et ça, j'en suis convaincu à 200-300% puisque j'analyse beaucoup ce genre de cas, et je me rends compte en fait que bah, les gens qui ont le plus d'argent sont les gens qui s'en sortent le moins parce qu'ils ont toujours une peur de l'argent et cette peur de l'argent en fait entraîne des dépenses inutiles finalement parce que dans la peur vous ne voyez pas comment vous dépensez votre argent alors qu'une personne qui va être très sereine au niveau de l'argent va très bien gérer son argent et sera probablement peut-être plus riche qu'une personne qui touchera plus. Ça ne veut strictement rien dire, de toute façon. La valeur de l'argent n'a pas... De toute façon, c'est malsain l'argent, c'est mauvais pour l'être humain. Après, on en a besoin, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, c'est pas quelque chose qui pousse dans la nature. Donc c'est un moyen de dualité et de combat et d'affrontement à l'argent. Donc c'est pas quelque chose de très positif à la base. Hein. Bref, c'était ma petite parenthèse. Donc, mais ça reste dans ma propre vérité, donc que ce soit pas la même vérité pour les autres, c'est pas grave, c'est pas, il y a pas mort d'homme, donc voilà. Du coup, donc je vous parlais voilà de cet aspect un petit peu voilà de l'ésotérisme dans ce métier-là, en tout cas c'est pas forcément que ça, mais ça peut être psychologue aussi, hein, psychologue, thérapeute, il y avoir en tout cas un lien comme ça. Hein. Alors là, j'ai pour certaines personnes des. Alors ça peut être des signatures de contrats, mais plutôt financiers ici. Alors ça peut être la banque, ça peut être un crédit, ça peut être pour l'achat d'une maison.
Parce que là, j'ai des choix à faire concernant un déménagement qui pourrait être en tout cas un crédit immobilier ici. On peut faire le choix en tout cas de s'orienter sur un crédit immobilier. Donc on pourrait en tout cas être en lien avec les banques, communiquer ça, et ce qui peut être en tout cas ce qui peut vous apporter peut-être un manque de sérénité sur le mois de septembre, le temps d'avoir la réponse. Quoi qu'il en soit, j'ai une réponse positive. Donc il faudra saisir en tout cas cette opportunité. Même ceux qui sont en recherche d'emploi, de toute façon, il y a un contrat hein, sur le mois de septembre. Ça sera quelque chose en lien avec le public. Alors, en cartomancie, qu'est-ce que j'ai? Donc, dans la verticalité, j'ai le 8 de cœur. La dame de pique. Valet de carreau. Ok. Alors, même là, ici, avec le valet de carreau et le 10 de trèfle, on m'annonce un courrier. Par rapport aux finances, par rapport à l'argent, donc c'est un courrier de la banque, ça. J'ai quoi à côté là? Ah, j'ai que des carreaux. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment l'annonce d'une banquière ici. Alors j'ai un courrier qui arrive d'une banquière pour des contrats signés, des choses en tout cas qui seront à signer. Ouais, des contrats à signer. Je regardais s'il n'y avait pas en tout cas des choses négatives sur le plan de la banque. J'en ai là. Donc là, j'ai en tout cas quelque chose qui pourrait. Il y aura un choix à faire au niveau financier, en fait. Hein. Il y aura vraiment des choix à faire sur le d'ordre financier. Ça va concerner les enfants. Donc par rapport aux enfants, il y aura un choix à faire. Un choix qui risque un petit peu de vous déranger sur le plan financier. Alors pour les femmes qui sont divorcées, il y a de bons résultats aussi qui arrivent sur le mois de septembre, sur des choses que vous avez peut-être préparées il y a un petit moment, qui sont pas forcément finalisées ou actées, qui le seront pour le mois de septembre, hein. Ensuite, j'ai un déménagement encore ici avec un 10 de carreau. J'ai un déménagement. 6 de carreau. 8 de pique. Alors, c'est marrant, ici, j'ai un déménagement qui est attendu. J'ai vraiment un déménagement qui est attendu, que vous attendez. Mais au dernier moment, ça va pas vous plaire. J'ai une notion pour une certaine tranche de personnes que vous ne savez pas ce que vous voulez. J'ai vraiment ce ressenti là que vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors là, par contre, j'ai des personnes qu'il faut vraiment. Je pense que c'est pour un petit nombre de personnes, mais si vous vous reconnaissez dedans, tant mieux. Ce sera un message en tout cas pour vous. Mais là, on me dit qu'en fait, vous n'arrivez pas à voir en fait ce qu'on vous propose. Vous avez pas mal de choses positives qui vous sont proposées, mais il y a une forme de pessimisme. J'ai des personnes qui sont pessimistes ici, qui ne voient pas en fait, qui ne voient pas les cadeaux que l'univers leur offre en fait. Parce que peut-être que vous êtes peut-être trop exigeant aussi, exigeante. Ne soyez pas trop. Alors, la Vierge, hein, le signe de la Vierge est connu pour être dans le détail. Ne soyez peut-être pas trop dans le détail. En plus, bon là, le Soleil, il est en Vierge encore, donc forcément, on est en plein dans l'énergie du détail. Sur le mois de septembre, ça changera. Fin septembre, début octobre, ça changera puisque le Soleil sera en Balance, et que ça sera beaucoup plus leste en tout cas. Mais quand le Soleil est en Vierge, on est beaucoup en train de peaufiner certaines choses, tous les petits détails. En tout cas, on va jusqu'aux petits détails qui des fois, bon, faudrait peut-être pas trop aller trop dans le détail. Bon, j'ai 2-10 aussi, donc il y a vraiment des changements financiers et mobiliers et immobiliers. En amour, j'ai des femmes qui sortent d'une période assez difficile de célibat. Du coup, vous allez pouvoir rayonner sur le mois de septembre. Il va y avoir des changements, des chamboulements sur le plan sentimental. Ok, donc on va prendre un message pour les vierges.
pour le mois de septembre. Elles sont complètement malades, ces cartes. Je viens de voir le 9 de coupe, le 9 de Raphaël. C'est réaliser ses voeux. Donc, vous pouvez en tout cas réaliser vos voeux, mais ne soyez pas... Le 6 d'arrière, c'est le 6 de denier, ça. Et on a en d'autres decks la carte numéro 12, un nouvel angle. Non, un angle nouveau. Bon, c'est pareil, un nouvel angle. C'est le pendu. Alors, le 6 d'Ariel, donc le 6 de denier. Le 6 de denier, on va parler en tant que tarot, c'est le donner et recevoir. Souvent, le 6 de denier, c'est unilatéral. Donc, ça veut dire que c'est un déséquilibre en fait dans le donner et le recevoir. Ça veut dire que soit vous donnez trop, soit vous recevez trop, mais vous n'êtes pas dans l'équilibre en fait. Et là, vraiment, le 6 de denier, il faut vraiment chercher l'équilibre entre le donner et le recevoir si vous voulez en fait que les choses vous arrivent, pas plus rapidement, mais plus facilement et moins dans la difficulté Vous savez, on est des fois souvent un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Ça aussi, c'est en lien avec le 6 de denier. C'est un déséquilibre émotionnel. Donc, de toute façon, à partir du moment qu'il y a un déséquilibre, que ce soit financier, matériel, c'est pareil, financier, matériel, sentimental, émotionnel, ça crée en tout cas des déséquilibres ailleurs et ça apporte d'autres choses qui sont pas forcément bonnes des fois. Donc, le message, on vous dit, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez, avec gratitude et reconnaissance. Donc, si vous avez su, en tout cas, être dans le donner et le recevoir, effectivement, vous pouvez vous attendre, en tout cas, à être comblé de manière inattendue. Et en d'autres decks, donc, je vous disais, on a le pendu. Et le pendu, donc, c'est vraiment d'aller regarder les choses sous un nouvel angle. C'est aussi une période de patience, d'observation. C'est pas forcément négatif, c'est aussi une carte de blocage, mais si le blocage est là, c'est que c'est nécessaire, c'est pour en tout cas voir les choses différemment. Alors, le message, on vous dit, une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà, changez peut-être un petit peu votre façon de faire, soyez peut-être pas trop dans le détail, essayez de lâcher prise sur certaines choses, les vierges. Voilà, donc, on se retrouve pour le tirage sentimental. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, passez une très bonne rentrée pour ceux qui reprendront les études ou qui emmèneront les enfants à l'école. Bon courage et on se dit donc à la prochaine. Bye bye.